liberté et liberté la presse et qui gen comportement liberticide qui a tué liberté a nan jan yo irresponsable dans façon à utiliser et l'autre moun tout qui a essayé banaliser toute lutte qui était menée côté gen pile moun qui mouri en pile vie qui sacrifié et pour nous t'es capable gagner soit gen là nous t'es capable aller plus loin mais c'est pas seul moun qui a décidé ça. Son société pour décider ça. Faut que c'est tout le monde qui pour dire non, faut que nous fini avec bagay sa yo pour nous entrer nos pays modernes et côté tout le monde gen droit à tout bagay. Mais un seul groupe moun pa ka résoudre li, c'est pas la presse qui a résoudre pour côté pour organisation qui a défendre droit moun, pour organisation syndicale là. Faut que c'est toute société a qui rive gagner nous entente sur nécessité pour moderniser pays. Et dans ça on doit gen doit chercher moun pour mettre barricade ou pas jeune. Parce que si majorité population gagne satisfaction minimum, yo gagne droit yo minimum qui respecté, droit pour vivre convenablement, pour voir petit à l'école sans que pas besoin ruiner bon école publique de qualité, yo gagne bon centre de santé de qualité, bon hôpital de qualité, gagne route pour moun voyager dans pays a pour pénétrer gang pas prendre les armes sur ou et moun nan gon travail pour capable river dégager et c'est pour seul moun nan ka la travail plusieurs moun ka gon petit job et ou pour peuple la pour bagay ou l'autre gens. Si l'État, dans l'argent, il y a volé, au lieu de faire ça, il investit pour faire logement social, pour mieux gagner loyer, modique, pour être capable de vivre. Électricité, l'eau, ou faire le jeune nous, j'en ligue loisir, ou à pouvoir sur l'autre qualité pays, ou à gagner. Mais c'est tout pays qui peut entendre sur ça, et surtout élite, qui pourrait intéresser ça, et pas à célébrer l'autre pays étranger, pendant que pays pas, ou pas faire rien pour faire l'avancer. Ou bien c'est pas venir faire louange pour l'autre pays parce que c'est moun couor qui dans l'autre pays. Yo me décider yo dit que pays yo faut que li moderne. Faut que majorité moun dans pays a capable vivre et c'est ça fait ou même de temps en temps soit faire ou jouer bagay sa yo et puis on après ou vinn comprendre ou ka opposer à moun dans conversation avec yo pour faire même bouche. Oh oui, oh non, tel pays bah ça pas passer non. Mais ou même qui sont faire pays pour là. Qui contribution ou bail. Oui, nous des cas plus loin. Parce que des pays, on regarde des pays baltes. C'est l'autre jour là, et ils ont sorti dans le rapport de l'Union soviétique. Il y a des qui très avancés. Non, je sais via technologie, il faut pas qu'être avancé. Nous avons une bonne possibilité, nous devons faire pour retirer le peuple de la misère. Oui, nous devons aller plus loin. C'est pas seulement liberté publique, nous devons gagner tout avantage et tout et ça qui prévoit notre troisième génération de droits qui sont droits sociaux. Culturel, nous sommes capables de faire. Mais est-ce que gagner assez de soldats pour mener combat ça? C'est question ça pour nous poser. Et si ou même, ou avez possibilité, qui c'est moyen économique ou gagner, moyen intellectuel, moyen professionnel, vision, capacité, réseau, ou pas mettre au service ça, eh bien, ou discréditer, ou pas gagner, en quelle autorité pour venir bailler moun leçon sur ça? Finalement, secteur business privé a réagi, chambre commerce et industrie d'Haïti, chambre franco-haïtienne commerce et industrie et ADI, association industrie d'Haïti. Yo di Jovenel Moïse, fais attention, non note yo paraît puisque depuis hier soir, gouvernement à travers PACER mettait une série de mandats pour faire arrêter dirigeants sojenaires yo. Bah, accusation qu'on est faux, usage faux, en écriture privée, et surfacturation, ça veut dire que, yo, et vend l'État, et courant à 11 fois la valeur et l'appellement à IA, maître Jacques Lafontaine, après deuxième invitation, et voyez, mandat ça, et qui mandait et qui pays engagé la donne qui a remetté l'État pour mettre en question contrat qui était lié à EDH et une série de fournisseurs qui était lié à EDH à travers fournisseur énergie électrique yo, et contrat pour acheter énergie dans mes compagnies ça là de particulièrement Sogener l'État haïtien à travers EDH et dans contrat il clair si gen problème si gen conflit qui route pour prendre pour résoudre conflit et c'est pas route ça qui prend respect convention dans question contrat c'est une et dans poteau mitan non état de droit
côté gain liberté pour moun faire business, respecter l'état pas respecter contrat, le fait que yo a fait justice dans toujours tout non instrument et pour faire les affaires politiques et autorité l'état yo a servi à des méthodes gros poignettes dès de la loi illégale, c'est des signaux qui clair côté gain un tentat un gouvernement gros poète a capable une autre dictature encore dans pays. Société haïtienne li pas tolérer genre de situation ça yo et nous voulons dire bien haut bien fort pour tout le monde que tant dictature li fini dans pays d'Haïti. Vivions Haïti qui pral aller dans progrès, vivions Haïti qui a garder l'avenir. C'est Franz Bernard Crane, président conseil CCIH CCIO, Geoffrey Andal, président conseil CFHCI, et Georges Bessassine, président conseil ADI, qui signe notre ça. Nous prétendons mettre Montferrier Dorval, qui c'est un avocat compagnie Sogener, qui dit annuler une démarche d'après le fait en référé avec dimension ça tout d'un coup dossier à vin prendre concernant décision maître Jacques Lafontaine. Maître Montferrier Dorval annoncé avocat compagnie Sogener là il pral exercer un recours et contre mandat doyen tribunal et première instance pral devant parce que décision qui prend est illégale. Et maître Sogener et maître Montferrier Dorval qui est avocat Sogener et qui t'a parlé comme ça avec la presse dans palais justice Port-au-Prince non fait qu'on est article 7 à article 22 dans convention américaine dans droit moun nan et puis article 30 dans code instruction criminelle là prévoit dans qui circonstance un commissaire gouvernement capable lancer un mandat contre un citoyen. N'a attendez maître Montferrier Dorval qui c'est un avocat compagnie Sogener là qui t'a parlé comme ça dans micro Vladimir Maurice Kidoy. Il va y avoir une audience, vous serez informé très bientôt. L'affaire a pris une autre dimension. Maintenant, il ne s'agit plus d'invitation, il s'agit plutôt de mandat d'amener. Puisqu'il s'agit de mandat d'amener, il y a une autre étape qui est franchie. On doit en tenir en compte. Je ne vous dirai pas plus et vous serez informé. Et ça ne fait aujourd'hui devant doyen là. Nous avons un document en main. Non, c'est une invitation qui a été lancée. Une invitation qui a été lancée. C'est pour l'invitation. On avait attaqué l'invitation du commissaire pour menace. Maintenant qu'il y a un mandat d'amener qui a été mis par le parquet, donc on doit en tenir compte. Donc maintenant, on a franchi une autre étape. L'étape, c'est l'étape maintenant qu'il faut attaquer maintenant le mandat d'amener. Ce sera fait incessamment. Maintenant, c'était parce que comme il y avait une action qui était ouverte, par le fait qu'on a signé, qu'on a attaqué l'invitation qui était assortie de menaces. Donc maintenant, on a franchi une autre étape, on n'est plus au stade maintenant de l'invitation avec menace, on est plutôt au stade du mandat d'amener. Et nous considérons que le mandat d'amener est illégal, c'est contraire à l'article 30 du Code d'instruction criminelle, parce qu'il n'y a pas de flagrant délit. On ne peut émettre un mandat d'amener qu'en cas de flagrant délit. C'est ce qu'on dit pour le parquet. Le parquet, le commissaire du gouvernement ne peut émettre de mandat d'amener qu'en cas de flagrant délit, suivant les dispositions de l'article 30 du Code d'instruction criminelle. Maintenant, on a vu que le parquet a émis un mandat d'amener en dehors du cas de flagrant délit. Par conséquent, nous attendons exercer tous les recours pour attaquer ce mandat d'amener. Ce n'est pas encore, on va le faire, et très bientôt, vous saurez qu'on va attaquer. Mais c'est ça le problème. Il y a une autre étape. On avait attaqué l'ordonnance qui était assortie de menaces. Donc maintenant, comme on a franchi une étape, donc on n'est plus maintenant dans le cas de l'invitation avec menace, on est plutôt dans, on considère maintenant le mandat d'amener qui a été mis par le commissaire du gouvernement en violation de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et des conventions internationales. Voilà, M. Montferrier Dorval, un avocat compagnie Sogener qui a parlé comme ça. Dans le micro reporter, nous avons été plusieurs journalistes, c'est dans le palais de justice. Dans le micro Vladimir Maurice Ridori. Et avocat ancien ministre Travaux publics, Transport, Communication, Ingénieur Franz Verela, M. Camille Leblanc, qualifié de persécution politique, décision commissaire gouvernement AIA, M. Lafontaine prend pour mettre mandat derrière de client nan. Et avocat mandé commissaire pour bail explication sur qui base légale les lancer mandat d'amener sans que pas gain flagrance et contre ingénieur Verela. Il dénoncer décision commissaire, il dit qu'il a violé la loi. N'a pas de mettre Camille Leblanc qui c'est avocat ancien ministre Franz Verela qui t'est parlé comme ça dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Depuis la
fait de vous inviter mon et nous te comprendre que le commissaire gouvernement était investi dans une mission précise qui est de faire du Burundi. Et nous pensons qu'il n'était pas de temps pour le lire, pour le bail, nous faire effort que nous écrire nos documents, nous présenter, nous expliquer, mais ça la loi dit pour le faire dans la matière que l'IA, a, puisque nous montrer que la loi encadrait les questions pénales pour éviter les abus, pour éviter que nous ne pas fait des ordres, il encadrer. Nous montrer que les dit recevoir en plainte, c'est ça le mettre dans le papier que nous voyons. Par conséquent, nous demander dans le cas ça, article 51, code d'instruction criminelle, là, c'est le code qui dit en matière pénale, mais comment pour chaque acteur comporter, mais qui mission chaque monde, mais comment pour procéder, regardez comment pour l'agir. Nous disons que dans matière ça, article 51 dit, depuis le recevoir plainte là, c'est transmettre par le commissaire gouvernement et par le juge d'instruction. Et si sont l'autre monde qui t'a recevoir, il y le bali, ou le encore, c'est transmettre par le juge d'instruction. Il n'y a pas de droit lui-même. Maintenant, nous disons, supposons que l'État dans le cadre de ça, grand délit, c'est simplement dans le cadre de ça, l'État instruit, laisse à la cumuler, mettre sous tête lui, et à la fois et juge d'instruction, l'État fait instruction, et à la fois commissaire gouvernemental, c'est-à-dire chef des poursuites, il va décider de la poursuivre, plus il va décider de la poser des actes. Mais en dehors de ça, la loi dit c'est saisi qui a fait instruction. Maintenant, ils font lecture, par une pièce qui balle histoire, fait lecture ça, dans l'article 37, il autorise peut-être lui, il a le droit de convoquer les gens, alors que l'article n'a pas dit ça du tout, et il doit convoquer les gens. Mais parce que même si on monte fait confusion dans l'article 37 là, mais l'article 51, pas quitter aucun côté, même si les gens apprennent lui, pour ne pas comprendre ça qu'il dit. C'est tellement clair, l'article là, pas quitter aucun moyen d'interprétation. Du tout, le commissaire gouvernement saisi par une plainte est tenu. De saisir le juge d'instruction. Et si son l'autre monde, c'est-à-dire un juge d'instruction, comme le tapoté plainte directement devant le commissaire, et depuis le commissaire a joint ni, Wally, c'est pas au titre saisi le cabinet d'instruction. Si c'est la police qui est voile, si c'est le juge de paix qui est voile, depuis que vous voyez le bali, mission parle, c'est pas examiner quoi que ce soit, non, mission parle depuis la pratique là, c'est saisi le cabinet d'instruction. Donc on lecture aussi simple, pas qu'à utiliser les mandats. Ou qu'on doit utiliser les invitations, invitons le monde, parce que le mandat est utilisé uniquement pour juge d'instruction dans le cadre d'instruction. Donc permettre le commissaire à faire dans le cadre de flagrant délit, mais dans les autres cadres où le commissaire a besoin de prendre des renseignements, etc., à ce moment-là, il n'utilise pas le mandat, encore moins le mandat coercitif, le mandat d'amener, etc. Il n'a pas le droit de faire ça, il a le droit simplement de faire des invitations. C'est la chose extrêmement clair, la loi encadrer la commissaire gouvernement. Ça, justement, parce qu'on est en matière ça, ou qu'a sorti sur ligne droite là pour tomber dans la ligne gauche, ou pour faire abus, il encadre, il dit, mais ça qu'a fait là, mais ça qu'a pas fait. Donc, d'ailleurs, elle explique nous. Ou râler tout point de droit pour montrer décision que commissaire gouvernement a y après, c'est une décision qui est illégale. Et est-ce qu'on croit que c'est une décision politique, commissaire gouvernement n'a pas agi sous pression politique? Moi, je pense que la démarche dans ce dossier précisément, la façon que l'a fait là, ça fait partie de ce qu'on appelle la répression politique. Pour moi-même, si c'était un dossier naturel, la loi, etc., après pour l'autre tournée, on savait que même si on a fait là, l'État haïtien est contre un monde. L'État est un sujet de droit. Mais même dans pour que mon autre comprenne autant de là, on a parlé de construire un État de droit. Ça veut dire l'État comme entité et lui-même aussi. Mais comment vous comportez là, vous comportez comme ça, à ce moment-là, où est-ce qu'on est dans l'État? Si on dit, ben, c'est lié. Éviter l'arrestation, hein? Est-ce que pression politique? Ou... Parce que on dit, ah, non, politique, bon, pas rien. Non, au contraire. Et la loi. Ça, c'est une baisse. Il faut pas que chaque acteur réagit par rapport à un rampant qui vient là. Lance, comme ça, au génère là.
Directeur exécutif Action, commissaire gouvernement a un dossier ça, il dit qu'a fait persécution politique dans dossier Sojourner là. Militant doit mon nom dit pas Sojourner, pas connaît si copain coupable, il est innocent. Mais il dénonce façon et autorité la justice a servi avec la loi et côté il a violé droit moun dans dossier ça. Et monsieur Espérance dénoncé pouvoir exécutif là qui gagne en tête les Jovenel pareil justice là en otage, les critiquer commissaire gouvernement haïtien qui d'accord pour le faire bec à terre devant politiciens pour quitter ou utiliser le DDH monsieur Pierre Espérance dans micro Ketia Jean-Pierre Télon. La justice à otage, c'est bien malheureux ou joindre de acteurs dans chaîne pénale là qui pas gain personnalité au lieu qui au travail pour renforcer la justice, eh bien, yo avili appareil justice là. Magistrat yo doit gagner pour boussole yo dans cadre travail yo la loi. La justice là pas doit yon instrument politique et nan main autorité ou bien pouvoir politique yo. Et non constaté jodi a et ou jwenn pouvoir exécutif là et prend un effet d'appui sous la justice là, non seulement yo traité la justice là par un pauvre, mais tout ça qui gagne dans ça nous ta rele garantie et pour citoyen yo jwenn la justice côté que pour yo capable défendre tête yo pour yon capable gen recours avec tout et ça la loi dit et sol yon comme la loi dans quatre dossiers ça. Moun ke yon gen ou bien contre institution bien moun ke yon soupçonné dans corruption, ça son persécution politique parce que un commissaire gouvernement yo c'est défenseur société a yo yé yo pa doué instrument ni outil politique la men aucun monde. Commissaire gouvernement c'est chef poursuite mais li pa juge d'instruction. Si gen un dossier côté a parler de Isaïe de faux et corruption quel que soit agent a rele là, et ben son juge instruction qui pou déterminer les gain et corruption et un dossier comme ça c'est dans cabinet d'instruction pour l'aller. Faut que moun k'ap défendre la loi, faut que moun ki k'ap bataille ki di yo vle on l'autre Haïti, yo vyon l'autre l'état, faut que yo combat yo avec rigueur. Peuple haïtien bay sans question liberté d'assi a là en a aucun monde pas doué accepter un apprenti dictateur sous parce que on dit il y a combat corruption et puis il a utilisé la justice à des fins politiques, ça est inacceptable. Directeur exécutif NDDH là monsieur Pierre Espérance sous dossier Sojourner là dans micro Ketia Jean-Pierre Télon. On a fait tout Radio Kiskeya on va suivre un journal 4 ans, on a présenté depuis studio Bertrand Pierre, on va saluer tout internaute qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com. Quelque chose à côté, tout ça et tout qui a recevoir sur plateforme intelligente. Premier coup de pied d'actualité internationale là, amène nous dans base aérienne américaine dans Bagram dans pays Afghanistan. C'est là président Donald Trump et sans attendre al passé et Thanksgiving ni ak soldats américains. Président Donald Trump qui est trouvé en Floride, quitté Floride la nuit là, il dit jambé en Asie pour la manger den ak soldat américain qui basé dans base Bagram dans pays Afghanistan. Et il fait première visite dans pays Afghanistan depuis le rivé dans tête pays États-Unis dans mois janvier 2017. Li visite militaire américain qui déploie dans base américaine Bagram et dans nord Kaboul capitale pays à l'occasion fête nationale américaine ça qui sont grande fête familiale et Thanksgiving jour de remerciement et Thanksgiving Day et visite ça arrivé 9 jours après te gagner un boucantage et deux otages pays occidental à 3 chefs talibans
et qui était faite en façon pour te faciliter processus de la paix et sa président américain a déclaré Taliban yo vle yon accord d'après ça Donald Trump a affirmé dans pays Afghanistan eh bien nous dit yo faut que déposer les armes yo pas de vle eh bien mais quoi il est là semblait mais penser yo vle faire ça président américain te gen avec lui conseiller dans sécurité nationale Robert O'Brien il te gen point collaborateur avec et puis yon groupe journaliste et puis agent et secret service qui chargé sécurité li rencontré ak président afghan et Ashraf Ghani et li parlé tout ak militaire américain qui basé dans Baza Bagram et côté le manger avec yo manger traditionnel américain dans jour Thanksgiving ça qui sont gros fêtes au pays États-Unis dans pays États-Unis li manger den avec yo donc visite surprise et yo pas dit tout qui de l'a quitté à tout c'est même surprise non et li était année passée fait même c'était dans période Noël il t'a rencontré avec militaire américain qui déploitonnait dans pays Irak. La Kay Panou, porte-parole passerelle là, professeur Lemaître Zéphi, a recevoir menace, bon côté secteur n'est pas identifié dans interview par Radio Kiskeya aujourd'hui, professeur Lemaître Zéphi et fait connait moun yo même vini dans l'église Nian, mandé information sous lui et professeur Zéphi qui c'est pasteur tout, annoncé lui déjà porter plainte nan paquet ak nan DCPJ. N'ap tande professeur Lemaître Zéphi, porte-parole passerelle là dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Mercredi passé, moi de l'église et moi senti pour m'entrer dans bureau l'église là, les rentrer du moins il y a un monsieur qui vient m'a demandé pour là, il paraît bizarre parce que lui besoin aide, il est engagé, il pas semblé vraiment au monde de aide, bien sûr que forcer ou pour les gens qui ont opéré, les besoins codes, les gens qui ont été côtés, donc les institutions étaient capables de faire. En temps, les madames m'ont dit ça, c'est parce qu'ils étaient témoins, conversation, monsieur a passé avec un Jack. Alors qu'il m'a dit, si tu veux me chercher Jack là, tu vas raconter exactement ça, il était parlé. Et puis Jack a raconté effectivement, monsieur arrivé, il présentait peut-être comme commandant Marco, ils sont anciens policiers. Lui raconter l'histoire et puis lui venir avec question aide là. Mais tout lui a dit lui, moi pas capable de recevoir pour l'instant parce que mon service, lui insiste, il va de quoi ça. Finalement, lui déplacé, lui sorti, et pendant la sortie, lui joint avec un diaconet qui tape sorti tout, et puis lui campé diaconet là, lui m'a dit lui combien parce que lui d'ailleurs. Il a connu ça, il a dit, il y a un seul pasteur. Il dit, qui bon pasteur a dit ça? Il y a une réponse générale, il a dit, pasteur, mais pas dit, oui, il a dit, chiffre. Il insiste pour une information précise. Ce que pasteur a fait, c'est à étudier en tant que point C. Mais il tient des têtes avec lui, il a dit, information précise. Il a mis ça comme ça, demander au terre, puis ça tient dans un an. Et comme il y a un hôtel dans ce bloc-là, il m'a dit par rapport à l'hôtel là qui est là, où est-ce que le monde qui va chercher des détails exacts pour la caille. Mais à un moment, il a parlé avec Diakonès là, il a eu deux téléphones sur lui, et il m'a échangé, il répond, il me demande dans 6 secondes environ, Marie-Lose à l'époque. Il faut pas la vie de Marie-Lose à l'époque. Et puis, il virait la vie. Et il y a un patrouille blanche qui était campé devant l'église là. Et puis, même qui t'a observé, constaté, après monsieur finalé, le patrouille a démarré tout de suite. Il y a même route avec monsieur. Il y a un jeune homme qui fait partie de l'église là, monsieur qui est abordé, qui a porté monsieur du lit constat, et dans deux cailles pasteur, il y a dit tout. Il prenait un cailles pasteur. Mais il y a deux demoiselles, l'église là, des adolescentes, qui rapportent tout. Les messieurs apparaissent dans l'église là, ils posaient aux questions, ils m'ont dit parmi toutes les machines là, qui laisse une machine pasteur. Alors, le théâtre, il m'a dit, je ne peux pas connaître. Dans la soirée, on a reçu un message, une jeune demoiselle de l'église là, qui écrit, et qui était à l'intérieur, en bas, et qui est en train de croiser avec monsieur.
monsieur a fait pression sur lui pour le mener côté passé à hier. Lui résister, on lui dit pas son mauvais moment. C'est mercredi soir. Jeudi matin, vers 8 heures comme ça, il y a une autre machine vite Saint-Luc passé bon Saint-Anne-Pétionville à poser des questions, demander qui va au bureau parce qu'elle est dans le métier qui est là. Et heureusement, il y a un monde qui peut mettre au courant de ce qui s'est passé à l'environnement. Ils ont offert aux gens, ils ont posé des questions. Même si on a un agent du CNCA, il y a une descente vite, tout ici, pour poser des questions, et puis il y a des machines là, des bonnes plaques, service de l'État. Malheureusement, nous n'avons pas habitué à la question sérieuse. Monsieur qui était une petite aide, il y a eu peur, il n'y a pas monté un bras. Alors, l'aime ça, dans jeudi matin, je suis allé de CTJ, je déposé une plainte. Et puis, MDDH qui accompagne tout ça. Je suis rempli un formulaire en droits humains, MDDH. Lundi, je suis déposé une plainte par quelle. Alors, je suis capable de dire, je ne suis pas content de dire que je suis raté. Jeudi soir, je suis tourné dans ce service-là encore. Je demande pour moi. Qui j'en ou interprété et menace ça, pasteur? Est-ce que ou pensez ça a un rapport avec travail politique ou surtout avec dernier travail ou se fait là, non, passerelle là? Moi, pensez ça a un rapport avec position politique, moi, ou bien engagement dans passerelle là. Parce que si m'a regardé, moi-même, je prends position pendant longtemps, dans les médias depuis 2011, je prends position dans les médias, radio, télévision. Et je ne pas jamais recevoir comme menace. Je vais avoir des mondes, de l'attention, ou à l'effort, on va être comme ça, mais comme si on avait une chèche dans l'église, ou bien la chèche d'information sur la zone que tu habites, la zone que tu travailles, beaucoup de gens recevoir comme menace. Voilà, pasteur Lemaitre Zéphir, professeur dans l'université, citoyen engagé, qui se porte-parole pasteur long, qui dénonçait menace la recevoir, moun n'y pas identifié, cap chercher gain information sous li, sous kaidi, sous activité. Et ou t'étendez te bay tout détail sa yo. Et nan micro collaboratrice nou, Ketia Jean-Pierre Taylor. Li pote plainte déjà, nan DCPJ, ak la justice. Mais tout pasteur retournons toujours avec dossier politique gouvernement à IAM dehors et Delma et Arnel d'après dit il a demandé la police contre sûreté ak brasse pénal là jour qui paraît qui dans tête sous récif radio qui a et milite montre pas importance mandat contre monsieur Belizer là li quoi ça fait avec un allié quelques membres dans opposition qui pas jamais dénoncé Jimmy Cherizier alias Barbecue ancien policier qui participait dans plusieurs massacres contre population dans quartier populaire et n'attendé directeur exécutif NDDH M. Pierre Espérance dans micro qu'étage mille précautions dans aucun théâtre dans démagogie mettez mandat d'amener pouvoir allier pouvoir contre population pouvoir y appliquer et en pile là dans tout c'est eux même qui pouvoir utiliser pour bailler sacrée population en tant que et barbecue. Nous plus quoi que pain. Et c'est ça au dit, yo t'a visé et intérêt gouvernement américain et qui t'a poussé américain au fond prend une note ou bien prend des autres et décision. Et pour nous-mêmes nous constater depuis équipe ça a monté sous pouvoir, yo a bailler il y a bay bandi l'argent et yo paye moun ki nan sen yo pou atake et moun parce que moun yo a dénoncé une série de dérives a décidé yo al kon utilisé avec l'autre bandi k'ap massacré et nous di yo constate barbecue et ou pou ke moun k'ap fè pou ni moun pouvoir yo pa poursuivre la justice pa poursuivre
et ni mon dans secteur privé yo pas dit rien et dans classe politique là pas dit rien. Li fait la saline 13 novembre 2018. Ni pouvoir ni la justice pas faire rien, ni mon qui dans politique yo pas jamais dit rien, yo pas jamais cité non ni, il a parlé des massacres mais yo pas jamais cité non ni et li fait la saline encore et 5 12 juillet qui et 2019 20 moun mouri, yo pa di rien. Pour qu'il soit pensé. Li fait Delma 2 Delma 4 nous dans 4e massacre et année ça Delma 2 Delma 4 avril 2019 yo pa di rien. Et Belè même bagaille là. Et kounye là c'est eux même qui capable répondre à question ça à proposer récemment pouvoir by barbecue 20 motocyclettes et 20 motocyclettes ça c'est pour le by bandi. Et pour y attaquer moun nan manifestation gen de moun nan secteur privé a ki bal l'ajan li genyen pou pipiti genyen 20 policiers nan Idmo ki ap sécurisé et sans compter l'autre policier ki nan IGPN et tout ça m'a di yo moun k'ap fè politique nan pays a yo konnen pa de opposition oui et secteur yo konnen mouvement ki barbecue a fait donc si moun capable parler fort et yo connaît que barbecue a fait crime pour pouvoir et y a cité pour autorité dans pouvoir faut que yo capable citer non tout. Voilà directeur exécutif NDDH temps monsieur Pierre Espérance qui clair dans ça qui concernait dossier ça. Faut que nous dit MTV Haïti qui c'est parti régional boulos non. Non moins que 48 heures tant que paraît une autre note pour la presse pour vous jeter bien loin déclaration monsieur Gabriel Fortuné et qui t'a fait quoi et leader organisation politique ça qui donc Reginald Boulos t'a participé dans baïque groupe dans quartier populaire l'argent exam déclaration ça yo qui pas campé soin d'après ça notre lundi entré dans même logique campagne dénigrement et persécution politique monsieur Fortuné a mené contre docteur Boulos donc yo dit depuis dit d'entendre dit depuis quelque temps parce que à un certain moment monsieur Fortuné c'était allié docteur Boulos c'était mais kounye là depuis quelque temps dos à dos. Alors faut que nous et notre capra poursuivre lui dit faut que nous faire remarquer gagnen yon certain Rosemont Jean qui sont proches pouvoir qui pas jamais suspend faire déclaration qui charger violence là-dedans yo qui a menacé en pile citoyen dans société a et pourtant silence total fait sur ça nous saisi ouais rapide après moins passé 24 heures de temps monsieur Arnel Bélizer nous toujours appelé notre lan qui c'est un opposant politique tout et tout monde connaît fin fait déclaration yo jugé qui la cause dégâts ak violence gantan gagnen yon mandat d'amener contre li bagay la gen force côté d'après ça notre lan dit MTV Haïti a rappelé tout monde outil pour développement ak progrès c'est celles âme docteur Boulos bay zone sa yo l'état abandonné et yo bay on liste di nou ka cité construction ak financement yon l'école cité soleil qui accueille 2300 timoun sans payer yon yota centre santé capte bay moun la fossette au cap soin ak ti place kazo soin yon l'école qui a construit dans la saline projet construction parc récréatif nan Simon Pelé ak Belè 300 bourse pour ti moun quartier défavorisé yo à l'école chaque année et la trier c'est mode action concret sa yo nous konn menen et n'ap continuer menen pour nous lutter contre toute qualité violence tankou la pauvreté absence l'éducation qualité carence soins santé c'est lutte ça à parti donc parti MDVA et a mené et pour nous capable river gagner yon lot Haïti tout monde river tout témoignage tout rapport organisation droit moun yo tout article dans la presse internationale cou national yo montré à clair qui est qui a financé et puis protéger gang yo c'est moun sa yo qui responsable massacre qui fait dans quartier qui pi pauvre yo et c'est Schulz Semsi Kazir
secrétaire général MTV Haïti, mouvement Troisième Voie, parti régional pour l'instant, qui signe note pour la presse. Et on prend direction Gonaïve. Qui est-ce qui était Gonaïve? Je dis, ancien député Arnel Bélizère. D'après sa correspondant, nous faisons connaître, quand elle a rencontré avec plusieurs monde dans le secteur opposition, d'après ça, elle dit pour amplifier mobilisation, selon lui-même, qui doit aboutir à la démission Jovenel Moïse dans tel pays. Arnel Bélizère, qui était gagné avec un groupe monde, a fait un rassemblement devant Tom Amio Métayer dans le quartier Raboto, côté de Didier Talmandé, ancien militant Lavalasnon, force pour continuer la lutte. N'attendez ancien député Arnel Bélizère qui te parle comme ça dans micro correspondant nous dans Haut-Tibonite là José Jean-Baptiste. Démission Jovenel ça pays à caboulé. Ou démission Jovenel ça pays à caboulé. Alléluia. Moi même m'a dit nous ni monsieur. Moi font choix, m'a marché joindre tout vrai combattant yo à travers la République. Je dis à moi vinn mande guerrier tout vrai moun yo pour yo aider force qui bété gagner moi mande pour esprit ancêt yo partager la chaque grain guerrier qui croit dans bataille ça m'a mandé à tout frère monsieur bataille la réponse jouet li nous est pour bataille ça nous entrer là dedans grand pile nous capable comprendre pas compter sur grenek pas jamais bataille pour système changer parce que si système ne changer vrai ou vivre tant que moun ou gen ti kal la santé. Ou gen ti kal l'éducation. Mais nous-mêmes bataille bien-être là. C'est nous-mêmes qui pour mettre tête nous ensemble pour nous faire bataille bien-être là. Mais pas gen relation gros mouché. Ou attendre toute gros rencontre à faire dans les grands hôtels ou pas j'aime jeune Arnel Bélizère. Mais ou je me Raboto aujourd'hui là. Demain ou pas je me Saint-Marc. Après demain ou je me Mimbalè. Moi pas demander l'autre nèg pour nous préparer au cap. C'est mal parler à vrai moun k'ap souffri yo. Moun ki a baiss mon système ça que nous tout espérer. Moi-même penser c'est pas une bataille facile mais à conviction et détermination. Moi konn ça n'habitue fait. Moi konn ça n'ka fait l'ennemi tête nous ensemble. Jodi a m'a dit, m'te vent cubain, tout nèg qui senti pas conforme là qui très paraît dans mitan guerrier. Avait dit que moi crois sous moun chanter devant cubain dans bataille peuple. Moi crois que fort prêt pour aller en prison, fort prêt pour Mahon, fort prêt pour mourir et nous pas mourir papa. Dans nos ancêtres, si on accompagner nous même j'ai été qu'on fait à cubain, moi gen garantie n'a jeune départ Jovenel là. Départ Jovenel là, c'est pas système dans Xavier, c'est porte là l'il ouvrir pour entrer pour dans goumer contre système là. Et c'est dans changement ça, n'a dit, n'a jeune l'argent nous yo pour faire projet dans communauté là où nous ca vivre tant que moun. M'a dit bataille là, l'a continuer quel que soit sacrivé dans route, moins qu'à tomber, même mon seul garant, pas quitter peuple là dans misère. Voilà, Arnel Bélizère dans Gonaïve jodi a et dans micro correspondant nous dans haut Artibonite dans Josué Jean-Baptiste. N'a pour tourner Port-au-Prince dans dossier sous général avec l'autre avocat compagnon Maître Gerbi Blaise. Maître Gerbi Blaise, un avocat compagnon sous général qui est dans le studio nous et je dis à lui et parler surtout dans nom Dimitri Vorbe en particulier, lui annoncer divers avocats et sous généraux, yo fait une action préventive devant et doyen tribunal première instance Port-au-Prince contre mandat commissaire gouvernement lancé des clients yo qui illégal. Selon M. Blaise, doyen obligé annuler mandat sa yo parce que yo violé tout principe juridique. N'attendez M. Gerbi Blaise, un avocat compagnie Sogener et avocat Dimitri Vorbe qui parlait comme ça dans micro Vilner Joseph. Nous tenons cas de séparation des juridictions. Pour qui ça? Parce que la Sogener a intenté, c'est-à-dire un recours préventif par devant le doyen. Maintenant, c'est un tribunal qui saisit parce que le doyen, c'est un tribunal à part entière. Parce que article 22, 26.1 à 26.2 a les bails possibilités à doyen qui sont juges de la légalité. Juge de la légalité en matière de liberté individuelle. Et Sogener, ce qui s'est fait, il était intenté en action en justice. En action contre l'invitation du 14, du 21, parce qu'il était invité le 14, mais il était présenté le 21. Dès lors que l'action a été déclenchée à l'initiative de la Sogener, maintenant, il y a une juridiction qui saisit. Et si juridiction saisit, maintenant, parquet a pas
fait rien encore pas capable aucune action que le café. Première illégalité, mandat d'amener parquet parce que faut le tendre. Bien avoir aller dans mandat d'amener. On parle de illégalité, invitation commissaire. En quoi l'invitation est-elle illégale? Non, c'est pas invitation qui est illégale. Invitation est illégale. On a un aspect qui vient mener que deux invitations nous viennent dans mandat d'amener. C'est là que vous te posez une question que m'a répondre. Invitation dès lors que avocat sous-général dépose en requête, il signifie le fond assignation, il signifie parquet, il dit parquet nous estimer invitation illégale. Maintenant nous mandons pour venir passer devant tribunal jeudi, parquet a pas faire encore. Peu importe que fondement juridique sous-général il pas de kembe. Mais le parquet, maintenant, il y a un tribunal qui a été saisi. Et dès lors qu'un tribunal a été saisi, on est dans la phase de la séparation des juridictions. Parce que le parquet, c'est une juridiction de poursuite. Maintenant, si vous décidez de poursuivre moins saisi en juridiction de jugement, la séparation des juridictions, il faut injonction pour tant que le dossier il finit évacué dans le tribunal d'abord. Qu'on a sous même où vous voulez, le tribunal a fait droit avoir ou le tribunal a fait droit même, c'est là ça ou pas le connaître, est-ce qu'on va exercer poursuite ou pas. Maintenant, c'est le premier caractère de l'illégalité du mandat d'amener. Invitation même pour ça que l'illégal. Personne n'est sans savoir que, et me pensez que le commissaire a commis une grave erreur que lui-même que le cas corrigé à la suite. Parce que l'engagement dans 5 invitations que le commissaire a envoyé. Bah, les dirigeants de la sous-génère, l'ex-épouse de M. Préval, l'y invité en même temps, l'y écrit gouverneur de Banque Centrale là. L'y écrit ministre travaux publics là. L'y écrit ministre de l'économie en tout. L'y demandait des documents informationnels. Et qui ça le dit dans le document ça ou dans l'être l'y écrit gouverneur? Et ça doit attirer attention publique là. Moi, mando information ça yo. Dans le cadre d'une information judiciaire qui est ouverte. Si le commissaire là, lui-même, lui précise, c'est pas moi qui précise le policier, c'est pas la sous-génère, lui précise qu'il y a une information judiciaire qui est ouverte. Mais dès lors qu'il y a une information judiciaire qui est ouverte, maintenant, nous encadre de la saisine de la juridiction d'instruction. Le même commissaire ne peut pas se permettre d'inviter les dirigeants de la sous-génère pour qui ça? Sous 10 dossiers d'une cabinet d'instruction, c'est pour préciser, maintenant, tu deviens partie intégrale au procès. Par rapport avec l'être écrit gouverneur Banque Centrale, ministère au public, ministre des Finances également, est-ce que lui recevoir plainte là, comment il va le faire, faut le capable analyser dossier, soit il va le faire un classement sans suite, ou bien il va le voir dans cabinet d'instruction, ou bien il va le déférer devant tribunal correctionnel, c'est à partir de là le capable de demander ensemble autorité ça yo des documents pour le capable justifier décision le va le prendre. Très bien, à première vue, l'article 51 du code d'instruction criminelle est clair. Il dit dès lors que vous recevez une plainte avec constitution de partie civile, en tant que chef de poursuite, vous n'avez qu'une possibilité, c'est de transmettre le dossier en entier au cabinet d'instruction. Alors, il y a des gens qui parlaient de l'élégance, nous-mêmes avocats, comparés au général Baguin, puisque nous recevons une invitation, et nous sommes capables, nous-mêmes, comme avocats, au général, accompagner les clients, nous, ou bien nous-mêmes, comme avocats, avec une requête en main, nous parlons au commissaire gouvernement pour nous dire, voilà, indisponibilité client, nous, c'est que nous pas fait, je dis à dossier à prendre, ampleur le prend, commissaire gouvernement, et les lancer mandat d'amener contre ensemble monde qui t'a dirigé sur général. C'est ça que je dis là. Cet accompagnement a été fait. Il n'était plus nécessaire que pour les avocats de la sous-génère pour être présentés au nom parquet pour dire monsieur le commissaire, donc il y a mes clients qui ne vont pas se présenter aujourd'hui. Ça ne servait à rien. Parce que il y a une assignation qui a été signifiée au commissaire du gouvernement pour se présenter à l'audience. Parce qu'il y a une juridiction de jugement qui a été saisie contre ces invitations. Je dis à nous plus loin, les mandats qui descendent, nous-mêmes dans la batterie avocat sous-génère, qui ça nous prévoit pour nous faire pour attaquer le mandat ça. Je pense que le nécessaire est de nous confirmer l'existence de ces mandats. Pour clients, nous, ça nous fait, nous avons action, nous faisons recours préventif, pas devant le doyen, toujours dans le cadre l'appréciation de la légalité de invitation, premièrement, nous deux actions devant doyen. Deux actions. Nous t'ai une action en invitation. Maintenant, action et invitation, ils viennent absorber par l'action pour le mandat d'amener. Parce que c'est mandat d'amener à Kouna Kikembe, parce que pas gagné invitation encore. Maintenant, c'est le mandat d'amener. Action, nous faisons action en recours préventif pour doyen apprécier l'égalité. Parce que le doyen, c'est le juge de la légalité. Maintenant, pour doyen apprécier l'égalité, mandat d'amener, ça qui est illégal, inconstitutionnel, illégal. Au regard de l'article 24.1 Constitution, au regard de l'article 7.6 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme, maintenant, doit y avoir plus obligation, doit y avoir pas faire l'autre bagaille, doit apprécier statuer sous l'égalité ça. Et nous montrer, doit y avoir tout, comment mandat d'amener ça qui sont mesures contraignantes, comment l'illégal. Qui doit nous prévoir pour une vidéo contentieux ça? D'ici la semaine prochaine, lundi, je pense que le contentieux va être vidé devant les doyens. Voilà, M. Gerbi Blaise, un avocat compagnie sous-génère, mais avocat et homme d'affaires Dimitri Vob, et qui fait déclaration ça, après-midi, à Nan Miko, Vilner Joseph, sous dossier ça, nous connaît, et qui c'est un gros point qui dominait actualité, qui prend l'autre dimension, ak mandat d'amener, et commissaire gouvernement a lancé depuis hier soir contre responsable sous-génère, ensemble avec ancien responsable dans l'État,
et dans moment signature et l'état haïtien te gagne avec compagnie privée ça pour t'acheter courant dans men un dossier n'a suivre de très près. N'a pas tout encore en actualité internationale là pour aller dans Amérique du Sud Uruguay basculer et à droite désormais conservateur pour diriger pays ça qui dans Amérique du Sud là et un pays jusqu'à présent qui pas gain gros bouleverse ils ont passé 15 ans c'est la gauche qui t'a dirigé qui était sous pouvoir et conservateur Luis Lacalle Pou qui c'est petit ou ancien président et qui était candidat pour parti national là qui a 46 ans sous tête lui revendiquer la victoire journée jodia dans deuxième tour élection présidentielle là qui était faite dimanche devant rival li et qui était paraître en bannière fond élargi tendance gauche qui était sous pouvoir pendant 10 dernières années qui se passé là Daniel Martinez d'ailleurs qui reconnaît les perdu élection résultat provisoire et il était annoncé semaine ça bay candidat conservateur Luis Lacalle Pou 48% alors que parti qui était sous pouvoir 47% un point seulement qui fait différence là pour Martinez mais commission électorale là pour quoi prononcer sous résultat définitif là à cause écart qui séparait deux candidats trop faible et tendance non n'est pas changé après yo fin prolongé dépouillement c'est ça cependant président Daniel Martinez reconnaît sous compte en Twitter nous féliciter président élu d'après ça dit Luis Lacalle Pou et que m'a pour rencontrer avec demain d'après ça il ajouté et Uruguay souhaite vivre 15 ans de stabilité politique mais en même temps tout de prospérité qui donc la vie meilleure pour peuple uruguayen en bas direction front élargi tendance gauche là mais dernièrement il était souffri dans le domaine économique te gon ralentissement un panne à cause des mauvais temps qui te frappé paysan et surtout secteur agricole là qui important pour développement économique pays ça et qui en Amérique du Sud qui c'est voisin un pays tant coup Argentine. Donc Uruguay basculer à droite. La caille pas nous en retourner en province d'abord Saint-Marc et mouvement progressif pour avancement massif dans Saint-Marc Mopam voyager j'étais journée jeudi à l'idée pour ta gain chita ak pouvoir et pour ta former un gouvernement largement large coordonnateur départemental ak membre direction organisation ça Mopam Ezekiel Celius ak Astel Fortuné mandé Jovenel Moïse tout simplement quitter pouvoir puisque il pas gain capacité d'après ça il dit ni moralité pour diriger pays hein. Milsan Madeis pour plus de détails dirigeant mouvement progressiste pour avancement massio dans Balatibonite voyez jeter toute l'idée de négociation à pouvoir selon ça il dit pour former un gouvernement soi-disant à tout secteur yo coordonnateur Mopam nan Ezekiel Celius ak membre directoire parti a Astrel Fortuné mande départ sans condition 28 novembre 2019 la président Jovenel Moïse yo di qui impliqué dans trop scandale dans l'administration la diriger nous voulons Jovenel Moïse aller pour système ça pour que li chambader système non pour venir avec un autre système qui ont l'autre forme de gouvernance dans pays a et ensuite pour ces Petro-Caribe a pas fait avec Jovenel parce que monsieur c'est un ingrédient qui la cause tout vol ça tout gaspillage ça yo avec problème agritrans faux ingénieur bas ingénieur encore ouais comment l'état réagit rapide ou presto, mais massacre la Saline, pas de réaction, silence qui fait, massacre Tokyo, silence, massacre Belé, silence, mais qu'on y a nous fait massacre Saint-Marc, tout pas d'un fait. Ça veut dire que la situation n'est pas être comme ça. Deux dirigeants Mopamio, Ezekiel Celius, et Astrel Fortuné, condamné face au Yodi, président, gaspillé l'argent dans le programme Caravane Changement, dans Valéa, pendant paysan yo tombé nan plis mize tan kou c'est nan complot yo prend paysan yo nan vale la Tibonite Saint-Marc Milsan Madeus Kiskeya ainsi toujours en province nan prend direction nord porte-parole la police dans département ça inspecteur Anacé Dorival fait qu'on est la police arrêté 26 novembre avant hier Jean-Baptiste Guito alias Apollo qui a 48 l'année sous tête li qui ta moun qui ta boulé jour qui était 17 novembre non local qui logeait Oni Beg avec Bed dans ville au Cap Haïtien et inspecteur police fait qu'on est gen l'autre moun tout li dit qui impliqué dans Zaxa
et il dit la police a continué travail li pour yo capable poser main sur moun ki a simé la troublaille dans département. N'a tande inspecteur Anacé Dorival et qui c'est porte-parole la police dans nord dans micro correspondant nous dans nord Gérard Maxino. 17 novembre qui s'est passé, individu qui n'a pas arrivé à identifier, boulé, local, qui était logé, bête, bec et oni dans la ville Cap-Haïtien. Suite à l'incident, la police était au bon côté de parler de vos enquêtes, de concert avec la justice, qui était permettre de mettre main sur un individu qui est Jean-Baptiste Guito, alias Apollo, j'ai 48 ans. Individu ça, d'avoir information que nous avons gagné, c'est lui qui est auteur Zap Sak qui est passé le 17 novembre qui s'est passé. Faut que je nous l'ai interviewé individu ça. L'État a une information que il était rencontré plusieurs mouns qui t'a dit c'est lui qui boule bedla, c'est lui qui boule local là. Donc il était gagné deux mouns qui étaient témoins en face qui dit monsieur c'est vous même même qui boule. Ça a information qu'il va nous même dans la porte. Alors l'individu a été arrêté dans la rue 22 au mardi qui était 26 novembre qui s'est passé. Donc, on a ajouté pour nous que comme il y a une enquête qui était ouverte par la police et la justice a été saisie tout, donc la justice a été décernée mandat. Quand l'individu ça qui fait mettre que nous avons arrêté le mandat d'un juge d'instruction dans la ville de Cap-Haïtien. Il y a l'autre monde qui est impliqué dans le dossier ça, que la police a continué à chercher. La police a cherché et c'est sûr que dans le jour qui a venu, n'a pas nos informations sur eux. N'a demandé des populations pour rester collaborer avec nous parce que grâce à eux-mêmes nous arriver mettre main sur gros nèg ça. Automatiquement population connaît que moun k'a posé zap yo, c'est zap contre li a posé, y a toujours collaborer avec nous et nous même n'a collaborer avec eux pour nous mettre en bas tout moun k'a commettre acte vagabondage dans ville d'Abaïsé. La police toujours gagne même disposition. Il toujours dans l'arrière. Il intensifie patrouille, lui fait et point fixe lio, automatiquement que l'école a ouvri, automatiquement la police a beaucoup plus présent dans la rue, ou après sécuriser tout le monde pour le sécuriser, la sécuriser élève qui pour l'école. Donc la police pas jamais baisser les bras, la police pas jamais chômer, lui là la fait travail par là. Voilà, c'est porte-parole la police dans le nord, inspecteur Anacé Dorival, dans micro correspondant nous, Gérard Maxino. Famille Navalas a préparé, d'après ça annoncé, pour commémorer 32e anniversaire et massacre Ruelle Vaillant. C'était 29 novembre 1987. Et côté, c'était première tentative élection libre et démocratique dans le pays après dictature famille Duvalier. Mais nous connaissons, il était fini dans 100 peuples. Et il y a demandé pour mobilisation rapprochée selon parti politique Jean-Bertrand Aristide Lan jusqu'à ce que rejoigne démission Jovenel Moïse au pouvoir. Dans conférence de bail pour l'après jeudi à porte-parole famille Navalas Lan Jodson Dirogène fait qu'on est parti ça et qui selon lui-même et c'est d'ailleurs qui ta représentatif de majorité moun qui gagne dans pays a doit retourner sous pouvoir n'a cité pour capable satisfaire revendication massio. Jodson Dirogène rappelé peuple haïtien écrit en pile belle page dans histoire pays avec une série date qui gen là-dedans en pile jour qui pote cœur content à en pile l'autre tour qui rappelait tristesse avec désolation tant coup 29 novembre 1987 28 novembre 1980 28 novembre 1985 côté gen 3 élèves dans ville Gonaïve et yo té assassiné en babal militaire makout attaché dans mouvement levé campé dans période là qui t'a fait contre dictature et pour té jeune bout Jean-Claude Duvalier qui était sous pouvoir et qui était dans tête pays côté dictature té pral gen 29 ans papa petite n'a tande porte-parole famille Lavalastra Jodson Dirogène dans conférence pour la presse à côté Amos Breville te présent pour Radio Kiskeya. Peuple haïtien écrit en pile belle page dans l'histoire de l'humanité qui fait qu'il y a en pile date qui pote contentement. On sait tout. Il y a diverses autres dates qui baillent de l'eau dans le qui quittent cicatrices dans le corps, dans l'esprit, et dans le nous qui même arrivent traumatisés. 29 novembre 1987, c'est une date qui pote tristesse.
chagrin, la peine, glonanger parmi date madichon. 29 novembre 1987, 29 novembre 2019, ça fait exactement 32 l'année depuis criminel, apatride, assassin, paramilitaire néo-divalier russe acclamé, te massacré à gros enfants de foi, ak manchette, plusieurs dizaines compatriotes haïtiens, et puis blessé yon centaine l'autre dans l'école Argentine Belgrade dans Riel Vaillant. À la moun sa yo criminel, à la moun sa yo méchant. Crime ça, c'est un crime abominable. Criminel yo, pas négliger vie de balle à coup de manchette sous frère accès nous, qui t'en en ligne pour aller remplir des voyous comme citoyen. Yo pas de pitié pour innocent sa yo, parce que seulement malheureux sa yo t'a revendiqué principe yon moun yon vote. Organisation politique Famille Lavalas coubelle bien bas devant mémoire victime yo et puis continuer voyer sympathie by famille victime. Famille Lavalas voyer une accolade solidarité ak l'amour by l'autre victime qui vivent ak cicatrice sous corps yo dans l'esprit yo que date madition ça quitté pour yo. Sans maman yo fait massacre Riel Vaillant hein, pour te empêcher élection 29 novembre n'a t'arrivé fait comme ça doit. Vous t'avez empêché élection ça parce que minorité criminelle là pas d'accord que tout le monde c'est monde. Minorité criminelle là pas d'accord masse populaire a choisi monde livré. Minorité criminelle là pas d'accord avec principe yon monde yon vote là qui se rejouet démocratie même. Massacre Riel Vaillant, pas département à massacre, inculpé Jovenel Moïse, criminel bandit légal, attaché à faire journée jeudi, dans le quartier populaire, dans tout le pays. Massacre Gravine, massacre La Saline, massacre Tokyo, Delma 2, Kafoufei, Berlin et Latrier, massacre ça arrivé fait, c'est pour être peuple à dire pas pour obéir à coup d'état électoral. Là. Même le combat contre la démocratie a continué, majorité peuple a pas baillé les gains. Parce que faut pouvoir majorité, faut pouvoir massio retourner dans tel pays. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous à travers proposition 15 novembre 2018. Côté que, famille Lavalas a dit, c'est mobilisation sous toute forme pour chavirer aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous croyons que tout petit record sont qu'a fait là. Tout pas en pile ça qu'a fait là, c'est parce que famille Lavalas a dit ensemble avec les haïtiens, c'est aujourd'hui qui pour chavirer. Bataille contre équipe Jovenel Moïse, c'est une, mais bataille pour changer le système dans son lot. Et c'est là peuple a parlé. Et organisation politique famille Lavalas opte pour quel que soit mouvement qu'a fait depuis ce mouvement pour chavirer équipe Jovenel Moïse. Chavirer le système là, chavirer aujourd'hui famille Lavalas dedans. Et ça fait nous croyons que mobilisation sur toute forme là de continuer. Quel que soit ça au monde qu'a fait, côté ici ou bien à l'étranger, ou senti action ça va poser au nom de la loi, là pour contribuer dans mettre système sensi, système criminel, système à tout faire, système mercenaire balle dans tête ça de le pays c'est pour faire. Parce que je dis 12 millions haïtiens, 12 millions de victimes pas capable je dis périr à cause aux minorités qui kidnappent richesse pays là. Et ceci à travers mobilisation sur toute forme là pour j'avais je dis. Et voilà, porte-parole famille Lavalasta Jodson Diogène. Et puis, sous bois parle, il y a docteur Gédéon Louis Charles qui parlait dans le nom, parti Jean-Bertrand Accident, toujours dans la même conférence pour la presse. Il rappelait divers massacres qui fait sous régime tête Caléa. Il dit et qui semblait sous compte deux de gouttes de l'eau avec même genre de massacre Sayo. Il rappelait La Saline, Tokyo, Kafoufei, avec ça qui passait, semaine passée à sous Belay. Docteur Louis Charles fait qu'on est 32 l'année après massacre Riel Vaillant. Peuple en doit continuer mettre tête ensemble pour chavirer, salir les chaudières. Pour c'est pas tout temps, c'est nous-mêmes, n'a cité qui a recevoir balle dans tête. Li fait qu'on est, yo pas bail le gain dans bataille, y a mené en mobilisation doit continuer sous toute forme pour y mettre dos Jovenel Moïse à tête. Nous le docteur Gédéon Louchal ou notre porte-parole Famille Lavalas, toujours dans la même conférence pour la presse, côté Amos Breville, tu es présent pour Radio Kiskeya.
Organisation politique Famille Lavalas profite occasion ça pour dénoncer et puis condamner tout massacre qu'a fait sous Massio, qu'a bataille pour condition la vie au changer. Qui dit système nan bout, qu'a demandé pour chaudière chavirer. Et n'a continué exiger libération tout prisonnier politique pressé. Pendant n'a songé journée tristesse 29 novembre ça, Famille Lavalas m'a dé 12 millions victimes yo pour yo pas suspend, mettez tête yo ensemble pour combattre force fait noir. Pour combattre l'escouadron en moyo à travers mobilisation générale sous toute forme. Nan. Pour c'est pas nous-mêmes qui toujours subi massacre, prend balle dans tête, disparition et assassinat des barricades. 32 l'année après, famille Lavalas dit, bail oublié, sans majorité à pape couler pour grand messie. C'est pour ça toute victime yo tout menté nan criminel yo et suivre yo jusqu'à dernière génération yo. Sans victime yo doit rouser racine pied bois mobilisation hein, jusqu'à ce que je dis à chavirer pour système judiciaire reprendre escape figile pour impunité kaba. Malgré un pile monde tombé, malgré un pile innocent disparaître dans bataille pour changer système pesé sous ça, nous pas bail les gains dans bataille. Fok inculpé Jovenel Moïse qui s'est chauffé camion la mort, quitte pouvoir à tout criminel pareil yo. Fok nou barre route assassin yo. Mobilisation générale sous toute forme nan doit continuer pour chavirer chaudière. Conférence pour la presse, famille Navala, c'était Dr. Gédéon Louis-Charles. Conférence pour la presse, Amos Breville, découvert pour Radio Kiskeya. L'autre conférence pour la presse, organisation politique, on a vu tout à l'heure à l'autre conférence. Non, conférence pour la presse, jeudi, dans le local Bar de l'Air, président parti politique Yorele Washlan. Evans Toussaint, ak responsable même parti politique ça, Marcelin Soleil, et dénoncé répression pour voir tête calé à faire contre militants politiques yo. Yo fait qu'on n'ait pas fait bac dans revendication yo. Dans sens ça, et yo annoncé yo mouvement mobilisation demain, qui c'est 29 novembre non, et y a bail parcours qui doit démarrer dans rue Elvayan pour aller bout devant ambassade américaine. Et n'attendé et responsable parti politique Washington Evans Toussaint et ensemble avec Marcelin Soleil dans conférence pour la presse à côté Dido Parent est présent pour Radio Kiskeya. 28 novembre 2018, 28 novembre 2019, ça fait une année depuis président Jovenel Moïse te voye assassiné Evans Toussaint, dirigeant politique Wash. Grâce à vigilance population qui te rend moi, qui te mette exactement dans une ambulance qui te transmet moi au l'hôpital de Benamez de 3 jours éternés. Chaudillon, n'a dit que à sorte de répression ça yo, Jovenel Moïse a fait. Nous dit, ça pas qu'à faire nous démobiliser. Nous dit, peuple haïtien, mobilisation sans prendre souffle, mobilisation sous toute forme de répression, Jovenel Moïse a fait avec le peuple haïtien. Nous avons seul rendez-vous. Rendez-vous, c'est 29, c'est ambassade américaine. Ambassade américaine, nous connaissons 29 là. Quand il y a eu un massacre qui était fait avant au niveau de Riel Vaillant, on a passé avec mon jeune frère au niveau de Riel Vaillant, on a fait sur autoroute, on a passé Pétionville a venu avec nous, nous ne pas filmer pas comment, parce que normalement, ça quoi le gain, il y a eu un café. Nous disons que nous-mêmes, on a privé pacifiquement devant l'ambassade américaine. Nous avons un message, nous prenons un bail, ambassade Tadis américaine. Pour nous dire, nous ne pas reconnaître Jovenel Moïse, pour nous dire, nous faisons encore tout. C'est lui-même qui a supporté Jovenel Moïse tout. N'annoncer manifestation qui prévoit fête et presque le 29 d'Iriel Vaillant pour l'ambassade américaine. Et nous demander tout le monde qui est dans le pays à poté, bourré et en chita pour nous finir avec bagage Jovenel Moïse. Et je crois que bagage Jovenel Moïse là son bagage pour moi-même il finit déjà. Mais étant donné que je dis à Jovenel Moïse qu'il y a espoir pour l'ensemble de monde dans la communauté nationale la capsicoté, mais moun sa yo, faut reconnaître Jovenel Moïse bagage ken légitimité population encore. Et population révoqué Jovenel Moïse déjà. Mais effectivement, que nous-mêmes,
Jovenel comme son monde presque jodi a la kweke mission Jovenel Moïse fini et nous dit jodi a par exemple pour tenter Jovenel Moïse a voué mandat by ensemble de monde par exemple et qui compris la famille bon nous même nous pas défendre ça ou même dégabzou le monde qui dans le pays a qui question qui a problème avec Jovenel Moïse donc. Mais Jovenel Moïse, il faut le reconnaître qu'il doit avouer mandat à tout le monde dans le pays. Et Jovenel Moïse, tout, qui a un commissaire, Jodiala qui recevoir l'ordre et qui exécuter l'ordre Jovenel Moïse dans le palais national. Et il faut que le commissaire ça reconnaître qu'il y a des commissaires qui sont dans le pays, Jodiala ou pas dans le pays, soit qui dans le pays blanc, soit dans le cachet. Voilà, conférence pour la presse, parti politique Roche. C'était dirigeant Nyo et Vince Toussaint. Ak Marcelin Soleil, conférence pour la presse d'Hydro Parent et couvri pour Radio Kiskeya. Nous notre coup de pied d'actualité internationale, l'EI dans Sahel la revendiqué la mort 13 militaires français avant hier dans pays Mali dans un accident et deux hélicoptères. Branche l'Ouest africaine, groupe État islamique là, État islamique province Afrique de l'Ouest, ISWAP. Et affirmer